On se retrouve pour donc une vidéo spéciale Noël. Deck the halls with boughs of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Don't we know again? Ça faisait déjà longtemps que je devais faire cette vidéo et bah voilà, avec mon challenge, c'est vrai que ça prend pas mal de temps. Donc du coup, j'avais pas encore réussi à filmer la vidéo de mes cadeaux top budget pour Noël. Alors c'est parti, je vous donne donc la liste des objets que j'ai trouvés. Et là, le premier cadeau que je vais vous montrer et que je vais offrir, eh bien il faut absolument que ma deuxième maman ne regarde pas la vidéo parce qu'elle ne doit pas dévoiler. C'est un cadeau spécial pour les papas. Et vous allez voir, c'est juste trop mignon. J'ai vraiment craqué quand j'ai vu. C'est une tasse. Voilà, qui se présente ainsi, c'est un gros mug et dessus il est noté « Un jour mon prince viendra, mais tu seras toujours mon roi, ta fille ». J'ai adoré la petite phrase qui se trouvait dessus et donc c'est de la marque Confidentiel, je ne sais pas si vous connaissez Confidentiel en fait. On le retrouve sur Instagram, il propose souvent des images assez sympas avec des petits dessins et des petits dictons du jour. Et ils font aussi donc des tasses, des t-shirts, etc. Et donc moi j'ai vraiment craqué pour ce mug que je trouve vraiment top pour mon papa. Et ça revient à 17€ la tasse. Je vous mettrai en barre d'infos les liens, comme ça si jamais ça vous intéresse. Je pense qu'il n'est pas encore trop tard de commander pour recevoir pour Noël. Et franchement, je trouve vraiment trop mignon. J'adore ce qui est noté dessus et c'est assez original à offrir à son papa. Donc voilà, une tasse. Alors, deuxième cadeau qu'on pourrait offrir par exemple à sa grande sœur, à sa maman qui se maquille ou sa belle-maman, pourquoi pas. Je vous conseille en fait cette palette-ci de Makeup Revolution, c'est la Ultra Eyeshadow Flawless numéro 2, même la numéro 1, hein. Elle est vraiment très bien. Alors, je vais l'ouvrir. Donc, elle se présente comme ceci, hein. Je vous l'avais déjà présentée. Et je trouve qu'elle est vraiment superbe. Les couleurs, il y a aussi bien du mat, donc pour celles qui se maquillent plutôt version nude. Et il y a quelques fards très colorés. Si certaines préfèrent se maquiller plus intensément ou pour une soirée. Et je trouve que franchement ça peut être un cadeau qui coûte pas cher, hein. Cette palette coûte 12,99€, hein, donc c'est vraiment pas cher. Et la qualité des fards, c'est vraiment top, hein. Donc franchement je trouve que c'est un chouette cadeau pour pas très cher. Et voilà, donc il y a moyen de faire vraiment plaisir avec cette palette là. Je sais que chez Dee il y a pas mal de coffrets actuellement avec le Makeup Revolution. Donc mais voilà, donc je vous la conseille, elle est vraiment top et ça va faire plaisir parce que c'est une palette vraiment de qualité. Alors le troisième cadeau que je vais vous mettre quelque part par ici est concerne en fait pour ceux ou celles qui ont un frère ou un ami geek. Je trouve que ça peut être sympa de lui offrir un t-shirt à l'effigie de son jeu préféré et moi je trouve que ça peut être sympa. Donc j'ai trouvé un lien sur Amazon, ça coûte aux alentours de 14-15€, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Et je suis sûre qu'il y a moyen de trouver aussi bien Assassin's Creed que Minecraft, que différents jeux, et je crois que ça pourrait faire plaisir. On sait pas toujours quoi offrir par exemple à son frère ou peut-être même à son petit ami. Et s'ils sont fans de jeux vidéo, et bien voilà un cadeau assez original et à un prix très correct. Donc voilà, donc cadeau suivant, un cadeau pour un geek. Alors, cadeau suivant, si votre compagnon par exemple n'est pas un geek, eh bien vous pouvez peut-être lui offrir un petit coffret de chez Lush. Donc ils sont déjà emballés, on choisit le montant que l'on veut et dedans se cachent différentes choses pour le bain. Donc par exemple celle-ci, c'est le Golden Wonder et dedans se cachent deux bombes de bain dont une qui fait des... plein d'étincelles et plein d'étoiles dans le bain. Donc c'est vraiment super agréable.
Et puis en plus, eh bien, vous pourrez peut-être en profiter, hein, si vous l'offrez à votre compagnon, vous dites que vous pouvez toujours en profiter. Donc le mien coûte 12,95€, donc contient bien deux bombes et franchement Lush c'est juste top. D'ailleurs je pense que je vais bientôt vous faire une revue avec tous les produits Lush que j'ai achetés parce qu'il y a vraiment des produits à ne pas rater et que je vous conseille à 200% parce que franchement si vous aimez les odeurs bien gourmandes, si vous aimez les choses un peu fantaisistes, je veux dire, eh bien vous ne serez pas déçus avec cette marque qui propose vraiment des choses vraiment intéressantes. Donc ici deux bombes, hein, donc la Golden Wonder et l'autre c'est une bombe de bain, la Stardust. Voilà, donc autre cadeau, un petit colis avec des bombes de bain. Alors forcément on continue dans la même gamme au niveau gel et douche de bain parce que je trouve franchement que c'est quand même un cadeau qui reste où on peut ne pas se tromper quand même. Voici donc ici cet ensemble de capsules. Il y a 14 capsules de crème de douche de chez Sephora que je trouve vraiment très sympa. Ça revient à 10,95€, on le trouve sur le site et je trouve ça vraiment chouette avec différents parfums. Vous avez fleur de coton, pivoine, myrtille, lagon, thé vert, monoï et mangue et je trouve ça chouette. Et si vous voulez compléter votre petit cadeau, bah rien n'empêche d'acheter un contenant, une petite baignoire où vous pouvez mettre ça dedans. Donc voilà un autre cadeau, je suis sûre que ça ferait plaisir à plein de personnes. Je suis sûre qu'il y a plein de personnes autour de moi qui seraient bien contentes d'avoir ceci. Et je trouve que voilà, c'est un prix vraiment très raisonnable. Si on a un petit budget, 10,95€, ça reste vraiment très raisonnable pour quelque chose de vraiment chouette. Alors, autre cadeau que vous pourriez offrir à un ami, et là, il n'aura plus d'excuses pour ne pas vous inviter un soir en hiver autour d'une bonne raclette, eh bien, c'est un petit jeu de société. Bien sûr, il faut aimer les jeux de société, mais ceux-là sont vraiment top. On a déjà joué mais plein de fois et franchement, on peut durer des heures avec ces jeux-là. C'est le Shabadabada. Donc, il y a le numéro 1, il y a le numéro 2. Donc ça joue en équipe de deux. Il y a un mot qui se trouve sur une carte et il faut arriver en fait à chanter une chanson avec le mot dessus. Et donc c'est à tour de rôle jusqu'à temps que le groupe ne trouve plus de chanson. Et je vous assure que vous allez vous coucher et vous allez vous dire « Et zut, il y avait telle chanson avec ce mot-là » et je suis sûre que vous allez voir, c'est vraiment très marrant. J'ai déjà eu l'occasion de pouvoir jouer en famille ou entre amis. Et tout le monde franchement se donne la peine, même les enfants vont chercher et je trouve ça vraiment super chouette comme jeu. Donc un jeu de société, je trouve que ça peut être chouette, je trouve que c'est pas ringard mais c'est tellement gai. Le soir en hiver, moi, j'adore jouer aux jeux de société, même comme ça en famille, je trouve ça très agréable. C'est un moment de convivialité parce que je trouve que parfois on manque de moments ensemble et vivre des jeux de société, eh bien c'est vraiment un chouette moment. Donc je vous conseille donc par exemple Shabadabada qui est un chouette jeu. Ensuite forcément bah, si vous connaissez quelqu'un qui aime bien la lecture, et eh bien je pense qu'un livre peut toujours faire plaisir. Moi aussi donc j'ai un livre mais c'est pour mon fils, donc je vais pas vous dire ce qu'il y a dedans et j'espère qu'il verra pas la vidéo, je ne crois pas mais voilà. Et donc on peut toujours trouver un livre, surtout par exemple bah, voilà, peut-être Harry Potter forcément, ou des sagas comme pour voilà, 50 nuances de gré, etc. Et pourquoi pas, ou bien un bon hein, au furet à la FNAC pour essayer de trouver en fait le livre du choix de la personne. Ça peut être toujours sympa d'avoir un bon livre. Moi j'aime bien lire quand je suis en vacances et je trouve que parfois ben, c'est sympa d'avoir un livre dans sa bibliothèque. Bien sûr il faut connaître les goûts de la personne, ça c'est pas toujours facile, on est bien d'accord. Donc voilà, mais ça pourrait être une solution. Eh bien la liste de mes cadeaux en tout cas pour cette année c'est terminé. Alors bien sûr cette liste n'est pas exhaustive, il y en a tout plein, on peut toujours offrir une bouteille de vin, des bons de cinéma, des bons pour un soin beauté. On peut trouver toujours des petites parures de bijoux à pas trop cher. Une boîte de chocolat, ça fait toujours plaisir. Un bouquet de fleurs. Et je crois que voilà, le principal au moment des fêtes, eh bien, c'est se faire peut-être un petit plaisir. Tout le monde n'a pas les mêmes budgets. Et je crois que si c'est offert avec le cœur, je crois que c'est ça la... Le plus beau cadeau et puis voilà.
Donc j'espère que vous allez passer un bon moment en famille, que vous allez fêter ça, voilà, autour d'une bonne table et que vous passerez de bonnes fêtes. En tout cas, moi, je vous embrasse tout plein et puis n'hésitez pas à me commenter, à me dire quels sont les cadeaux que vous aimeriez bien avoir et quels cadeaux vous allez peut-être faire. Allez, à très vite. Bye bye. Hé, j'espère que vous n'êtes pas partis. Il y a un cadeau. J'avais demandé si ça vous intéressait de gagner des vernis que je vous avais présentés la fois dernière, en tout cas au moins celui-ci que j'avais présenté de ma box. Et il y a quelqu'un qui m'a dit que oui, il était intéressé par gagner des vernis. Donc je mets en jeu aujourd'hui trois magnifiques vernis, donc celui-ci de chez Opi, qui est vraiment très joli. Je trouve que la couleur est vraiment jolie. Bon, je vais pas l'ouvrir, hein, comme ça reste bien nickel. Donc vous avez celui-ci, et puis regardez-moi cette couleur magnifique, avec plein de petites paillettes. Voilà, donc là on voit bien, hein, regardez-moi toutes ces magnifiques paillettes, c'est vraiment super joli. Donc celui de d'Yves Rocher, hein, comme ceci. Vous aurez aussi un autre, plus rose fuchsia. Il rend pas comme ça la caméra, mais en fait il est plus rose fuchsia. Et donc celui que j'avais montré tout d'abord, regardez-moi un peu cette couleur, franchement ça doit être bien joli. Je trouve que c'est vraiment tendance pour Noël, hein. C'est vraiment beau, j'aime beaucoup. J'hésite à refaire laisser mes ongles, non je plaisante. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous avez envie de participer pour gagner ces trois magnifiques vernis qui seront vraiment super top pour les fêtes, hein. Ça serait sympa de pouvoir les gagner. Et ben, je vous avais mis, hein, donc il faut être abonné, forcément, abonné, on s'abonne. Il faut liker, habiter la France ou la Belgique, j'ai accepté le Grand-Duché du Luxembourg, et poster un commentaire donc sous cette vidéo-ci. Allez, qui a envie d'avoir ces beaux petits vernis pour la fin de l'année? Voilà, ben moi en tout cas, je suis super contente et on se retrouve demain. Bisous.